Salut à tous et à toutes, ici Mister Who, et pas ici, si. Bande de tout coquinous. On va jouer à un jeu que j'ai retéléchargé, que c'est un jeu de détente. Putain! Je suis en train de tout casser, moi. Regardez ce qu'on sait faire. Ah, il n'y a pas eu le temps. Ah! Jeu est en français, donc c'est cool. Avant, il n'était pas en français, il était en anglais. Et maintenant, c'est un jeu français. Enfin, il est en français, il est traduit en français. Et ça, c'est trop cool, trop cool. Bon, ben voilà à quoi ça consiste, ce petit jeu sympathique. Est-ce que vous avez un jeu, un ou coquin, un ou tout doux qui fonce dans les murs? Ça sert à rien, monsieur rigolo, voilà. Un ou qui aime foncer dans les murs, c'est génial. Regardez, maintenant il fonce dans le truc. C'est magnifique. Ce ou est très très ou de lui. C'est pour ça que c'est très important de foncer dans un mur. C'est une nouvelle façon de faire. Voilà, arrêtez de le sous-estimer, ce petit ou coquin. Bourré de boutons. Cool, trop top. Ce que vous avez entendu tomber, en fait, c'est le truc de mon micro cravate, en fait, le machin qui a la pile dedans là. C'est ce truc là qui permet en fait de amplifier entre guillemets le son et le mettre en mode caméra et tout. Et c'est en 5/7, donc sans ça, il n'y a pas de son, donc voilà. Il n'y a pas de saucisse grillée sans. Qui pleut. Un pauvre bouh. Oups. Patate. Alors je sais pas si on peut, je pense qu'on peut pas, on va tenter quand même. Est-ce qu'on peut aller chez les femmes? Non, voilà, on peut pas, hein. Bon, même si personnellement je pense qu'il y a personne, mais bon, c'est pas grave. Regardez, il n'y a personne. Il
ça n'existe pas, un vrai vie, un truc comme ça serait toujours fréquenté. Pas possible. C'est trop agréable d'être dans un truc. Sauf bien sûr quand il fait chaud à crever, ça oui, là, moins de chance qu'il y ait du monde, mais quand il fait en hiver, t'en aurais du monde qui viendrait. Donc du coup, je vous fais découvrir ce petit jeu qui est Stardew Valley. Je l'ai découvert à grâce à qui encore ce jeu? Ah ben, je sais plus du tout. Je sais plus du tout à grâce à qui j'ai découvert ce jeu. Je m'en rappelle plus. Oula. Vous avez remarqué que j'ai deux TV. Ça m'amuse d'avoir deux TV parce que c'est rigolo. Attendez. Il y a des bruits bizarres quand même dans ce jeu. Bon. Voilà. Vous avez vu, j'ai planté là où il y avait des engrais en fait. Parce qu'il restait des engrais, donc du coup j'ai pensé à planter ça avant où il y a des engrais. Comme ça c'est réglé. Ce jeu est trop beau. J'ai toujours aimé ce jeu. Et comme tous les jeux, je suis très très nul
en sac. Hein. Non, ça c'est le bus, on s'en bat les couilles. Je me gratte. Hein. Je me gratouille. Alors, j'ai remarqué que vous entendez un bruit de ventilation. Ça, c'est mon PC. Hein. C'est un PC portable, mais voilà, il est vieux, donc il carbure un peu. Mais voilà, ça, je peux pas stopper parce que je l'utilise au quotidien pour regarder des vidéos, pour m'informer, pour dessiner, pour exporter justement les vidéos sur une clé USB pour les mettre sur ce PC, pour les mettre via Internet. Sinon, je ne peux pas les poster sur YouTube. Parce que j'ai pas encore lié mon intermédia en LAN, donc en internet, en prise internet. Donc ça veut dire qu'il faut que j'achète un répétiteur et une prise internet pour le faire. Et comme c'est pas encore fait, bah du coup je peux pas. Ce qui est chiant avec ce jeu, c'est que vous voyez, vous devez descendre tout en bas. Un peu chiant, et voilà. Et là seulement vous avez accès au truc et vous pouvez tout revendre. Voilà, et ça fait pas mal de tunas. Tunas, hein, ouais, c'est pas mal. Ouais. J'ai pas été loin dans ce jeu, je l'avoue, ça c'est clair et certain. J'ai pas vraiment fortement pipoté sur ce jeu. Je veux dire, j'ai pas vraiment travaillé énormément dedans. Enfin, j'ai pas joué énormément sur ce jeu. Parce qu'il était en anglais en fait, et du coup, je comprenais rien. Du coup, j'ai un peu délaissé. Je pense que je vais commencer à y rejouer et à. Bah, à faire ce que j'ai dit là, comme là. Puisque maintenant le jeu est en français, donc il n'y a plus d'excuses. What? Saucisse grillée pour tous. Saucisse grillée pour personne. Il faut quand même avouer, je suis en train de squatter chez les gens. Ouais, voilà, vous pouvez être proche. Ça, c'est une idée de tentative à faire, c'est d'être proche et du coup, on peut rentrer dans les trucs.
Vous avez une flèche avec que vous pouvez. Pas trop d'utilité là, mais ouais. Qui a oué des oué des oué Voilà, là ça marque sauvegarde en cours, mais en français. Tout est en français, ça fait plaisir. Ouais, j'ai vraiment y rejoué correctement à ce jeu. C'est vrai que j'avais délaissé parce que le jeu était anglais. Et quand c'est en anglais, moi je comprends pas, je suis une merde. Donc je pense que j'ai bien y rejoué. Comme ici déjà, hein, j'y joue en let's. Peut-être y jouer en let's play, je sais pas. Après tout. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je décollerai jamais de toute façon parce que mes vidéos sont trop inintéressantes pour attirer du monde en fait. Je fais pas des choses assez intéressantes en fait pour intéresser des gens. Les jeunes d'aujourd'hui veulent du sensationnel, du drama, des trucs négatifs quoi. Mais moi je suis pas comme ça en fait. Pas du tout quelqu'un qui est dans ce domaine là. Je suis un woo reposing, donc du coup bah, j'ai dans le cul. Si je veux percer en faisant des trucs comme ça, c'est mort, et je l'ai compris. Donc je ferai que des trucs sereins de woo vieux, tout ça. Oui, voilà. Vous pouvez m'appeler petit woo reposing. Un ou qui fait des vidéos serein, qui ne cherche pas à faire du drama. Ça peut m'arriver à donner un peu d'avis, mais c'est tout. Mais je cherche jamais à faire des dramas. On appelle ça du ou reposing. Reposing, ça sature un peu, j'ai l'impression. Voilà, ça va être mieux pour le son, pour pas que ça sature. J'aime bien la musique, mais faut pas que ça sature. Dans les let's play, il vaut mieux que ça soit réduit.
Veuillez m'excuser pour la saturation. Ah voilà. Saucisse grillée pour les woukou qui nous cherchaient. Saucisse grillée pour les toutous compressés. Ah voilà. Ah voilà. Bon, ça sert à rien ce que je fais là, mais c'est pas grave. Donc on va aller chercher ce qu'il faut. En fait, c'est à moi aussi de pas crier, donc ça c'est bien. Je trouve que le son est toujours un peu trop fort. Voilà, ça je pense que c'est bon. Vous avez de la musique en arrière-fond, mais c'est pas trop fort non plus. Oups. Bon. Non, c'est pas là non plus. Quand je joue tout seul à ce moment-là, ouais, là je peux remonter le son et tout ça et mettre à fond avec grand plaisir. Ça, j'écoute la musique à fond, mais ici, vu que c'est en let's play, il faut qu'on m'entende et que ça soit dessus. Et comme vous voyez, le micro il essaie de compenser et du coup ça sature. C'est un bon micro, du coup, il sature. Du coup, ça c'est parce qu'il a du mal à avec le son qui du casque. Il se dit, ah ouais, c'est fort, j'aurais plus fort. Et du coup, il sature pour justement éviter qu'on galère. Quel gentil. J'ai des trucs dans les bras! Regardez! Allez voilà! Allez voilà! Je voulais faire comme Zerator en fait quand il commence à expliquer le gars qui tient les trucs vers le dessus comme un débile et qui crie oh mon dieu, regardez! Enfin voilà, il se foutait de la gueule du jeu parce que c'était rigolo de voir le personnage tenir. Oui, petit Wouhou, j'arrive, je vais te nourrir. J'arrive direct. Oui, petit Wouhou, oui. Je sais que normalement là c'est pas fait pour ça, mais bon, si vu que exceptionnellement il m'en reste plus que 4, je me suis dit allez, on va se casser le cul. Je vais arriver un petit tout truc. Il n'y a pas grand chose à faire pour le petit roux. Il faut juste lui donner à boire. Comme ceci, et voilà. Voilà petit roux, voilà! Ou à boire.
Donc le principe, c'est pas compliqué à ce jeu. Vous devez juste tous les jours arroser. Oui, petit toutou, j'arrive. Vous devez juste arroser comme ça, comme je fais, tous les jours, à chaque fois que vous remontez dans le jeu, enfin, que vous allez dormir, que vous réveillez, vous devez arroser tout. Seulement quand il pleut, là, vous devez rien faire parce que ben, c'est déjà mouillé puisqu'il pleut. Mais sinon, vous devez tous les jours arroser. Oui, oui, petit, oui. Je sais pas où tu es, mais je vais arriver. C'est vous pressez. Qu'est-ce que tu veux? C'est des woovies, hein, des woovies. Qui sont comiques. Il est là. Du nuit. Bouton petit toutou, content. Bouton petit toutou, je suis content. Un ouvi. Un ouvi. Un ou saucisse grillée. Pour tous. Vous devez juste faire ça et c'est tout. Vous passez si vous voulez au jour suivant si vous n'avez pas envie de faire plus. Ou vous cassez tout ça. Il y a tout ça, hein, je vais vous montrer. Regardez tout ce qu'il y a à casser ici. C'est énorme. Mais moi en fait j'ai un problème psychologique, c'est que j'adore ce bordel en fait. Et ça fait forêt et tout ça et j'aime bien, donc du coup j'ai pas envie de casser. Ouais, je sais, j'ai un problème. J'ai envie de laisser comme ça tout. Là ce que j'ai cassé, je regrette parce que j'aurais voulu que ça repousse tout ça. Je veux que de l'herbe repousse ici. Parce que je trouve ça trop stylé quoi, trop beau. Donc j'ai des difficultés. En fait, selon ce que je choisis, la zone choisie, je casserai quoi. Mais sinon, j'évite de trop casser de bois. Regardez comme c'est trop beau. Je sais que les ouvres sont heureux aussi. Hein?
prie, petit roux. T'as déjà tout vidé? Tiens, bois, petite toutouche, bois. Comment, petit roux, comment on va? C'est ça, bug, petit roux, bug. Arrête, petit roux, c'est important de bugger. C'est très important de courir en mode roux, jeu vidéo. C'est très important de courir comme un imbécile dans un mur invisible comme ceci. C'est trop cool, trop cool. C'est tellement réaliste. Dans la vraie vie, c'est pareil. On court tous comme ça dans un mur. Ce jeu est trop réaliste. Je suis bouche bée. Ou étonné. Oh, impossible. What? J'avoue que c'est beaucoup plus agréable de jouer comme ça que jouer en portable en fait, bizarrement, parce que, enfin je sais pas en fait, l'écran en fait est plus grand et s'il fait 7 pouces au lieu de 5 pouces, donc il y a un petit confort en plus, pas énorme mais il est quand même là quoi. Oula. J'aime bien le son que ça fait en fait, c'est sympa. C'est très sympatoche. Il y a des trucs à faire dans ce machin là, mais je les ai jamais fait. Maintenant que c'est en français, on va pouvoir s'y mettre. Voilà, ici par exemple, je pense que je vais peut-être le faire. Tiens, ça a l'air pas trop compliqué. Ah, si, ça, je saurais pas l'avoir. Bois dur.
Là, il faut mettre tout d'un coup, je présume, c'est... Voilà, il faut faire tout ça. On fera ça à notre aise plus tard. On peut venir voler. Ouais, en fait les personnes font leur quotidien tous les jours en fait. Du coup ça bouge tout le temps. C'est sympa, c'est bien fait.
pense que vous avez compris le principe en fait. Après, au bout d'un moment, vous devez aller revendre dès que ça a poussé. Vous devez aller revendre ça. Après, au fur et à mesure du temps, si vous investissez dans le jeu, vous aurez du meilleur matériel, ça c'est pour arroser, ça arrosera plus d'hectares au lieu un à la fois. Ce sera tellement beaucoup plus pratique. Mais vu que moi j'y joue presque jamais, je suis carrément presque au début quoi. Mais c'est normal que j'ai rien quoi. Comme tous les jeux en fait, je suis début beaucoup de jeux. Mais j'avoue que ça passe le temps. Bon, après les jeux vidéo c'est pas pour ça. Et quand j'aurai ma manette, je pourrai laisser toujours ma Switch à alimenter, je pense que c'est ce que je ferai. Je préfère y jouer en docké qu'en portable en fin de compte. Parce que je ne sors jamais avec, donc... Enfin, ça peut être utile d'y jouer en portable, hein, je dis pas le contraire. Mais... C'est cool, même. C'est un des trucs que j'aimais bien au début. Maintenant, je commence à changer parce que... Déjà parce que j'aime bien faire des vidéos et l'aspect commenté. Donc du coup, il faut que ça soit OK pour ça, déjà. Et aussi parce que, je sais pas, je commence à changer un peu. Le truc que j'aime bien avec ce genre avec ça, c'est que au moins, avec des consoles portables, vous avez une batterie intégrée en fait. Oups. Et c'est ça en fait le plus. Ça permet vraiment de sécuriser à ce niveau-là. Je cherche après mon Wouhou, mais je le trouve pas. Il est où mon Wouhou? Il est où? Il est où la truffe? Ah, j'ai un message. Je sais pas c'est quoi. Là, on va regarder ça. Les quêtes. Ah, c'est beaucoup plus intéressant quand on comprend ce qui est marqué, hein, ça c'est clair. Ce moniteur que j'ai, c'est pas un bon moniteur de bonne qualité. Je l'ai calibré au niveau colométrique correct et tout ça, et netteté, ce qu'il faut.
pour qu'il soit correct, mais c'est pas un moniteur d'exemple, ça c'est clair. Ça va, c'est jouable, hein, c'est regardable sans trop de soucis. Mais au niveau colométrie, c'est pas les couleurs perfectes. Je veux dire, en bref, l'écran de ma Switch. Chut, petit où je parle. L'écran de ma Switch est mille fois meilleur, quoi, c'est ça que je veux dire. Enfin, mille fois quand même pas, mais beaucoup de fois meilleur, quoi. Parce que c'est du IPS de meilleure qualité, la Switch. C'est du IPS chinois. Bon, en même temps, c'est normal, hein. J'ai payé que 50 euros ce moniteur. C'est un moniteur avec haut-parleur intégré de la marque Eyoyo. Voilà. C'est chinois, hein. Donc oui, vous en doutez que du coup, la qualité, elle en pâtit aussi un peu sur le fait que ce soit du chinois. Mais ça va, hein, ça fait le taf. Quand tu l'as bien réglé au niveau de colométrie, ça va, ça passe, nickel. C'est très jouable. C'est pas désagréable, ça va, c'est très sympa. Ça va, quoi, ça va. Comme je dis, ici, c'est juste les manettes. Que je vais acheter une manette et puis c'est bon, je suis tranquille. C'est fini, je dois plus faire d'achat pour un bon moment. C'est ça qui me fait un peu chier. Mais au moins, dès que ça c'est fait, c'est terminé, je suis tranquille. Parce que c'est trop chiant. Vous allez me dire, ouais, mais t'as dit que t'avais ce qu'il faut. Ouais, mais ça veut dire que je vais toujours ressortir les manettes de la Switch. Je dois être sûr qu'ils soient chargés. Hein, parce qu'il faut pas oublier que les manettes, les Joy-Con, ils durent 20 heures, je pense. Une bonne vingtaine d'heures, et avec le temps, oui, c'est plus que 15 heures ou 10 heures, un truc comme ça, donc du coup, c'est pas pratique en fait. Donc, ça veut dire que quand ils sont quasiment à plat, il faut les mettre à charger pendant plusieurs, 1 heure, 2, 3, 4 heures, et seulement après, tu peux rejouer, faire des vidéos. Mais moi, si j'ai envie de commencer à faire du gaming, j'ai pas envie d'attendre en fait. Je fais blindé de vidéos qui enchaînent, et je m'amuse quoi. Mais j'ai pas envie d'un truc qui me stoppe. Et c'est pour ça que ça m'énerve. Ça me stoppe dans mes let's play, ça, en fait. Parce que c'est chiant à chaque fois de remettre les Joy-Con. À chaque fois dans le truc, c'est ultra casse-couille. Ça me fait rire parce que le mec il dit comme quoi il va payer prix fort, mais en fait si moi j'amène pas le truc, il aura jamais sa quête terminée. Donc techniquement c'est un peu ironique. Bon après j'avoue je sais pas du tout où il faut aller. C'est vrai qu'on se dit que dans la vraie vie c'est pas possible ça de rentrer comme ça dans les maisons sans autorisation. On dit qu'il y a un doc mais il n'y a aucun chien. Ça n'existe pas quoi, c'est là qui est. C'est un peu ironique de savoir ça. Dans la vraie vie tu tentes de faire ça, tu te prends la gueule mais un truc de ouf. Tu peux pas aller chez des gens comme ça et rentrer et sortir comme ça.
gardez-moi ça, je rentre dans les maisons, dans la maison, comme ça, tranquillement, il n'y a personne qui vous pète. Par contre, je peux pas aller dans les chambres, hein. Mais le salon, soi-disant, c'est convivial, donc du coup, voilà, je peux rentrer, je peux aller chez eux, je peux rester chez eux, comme ça, tranquillou, pas de problème, on t'accueille sans souci, tu peux être un inconnu de la cuvette, rien à battre, tu peux venir, il n'y a pas de problème, tu es bienvenu. Mais si tu vois des choses, et que t'es doué et que tu vois des choses, bah tant pis pour nous, hein, on est juste des imbéciles. Non mais je veux dire, dans la vraie vie ça n'existe pas ça. Attends. Hein? Si vous devenez membre de ce Joja, le centre communautaire deviendra un entrepôt de Joja et vous ne pourrez plus le rénover. Fournira toutefois pour améliorer la ville. Êtes-vous sûr de vouloir être membre? Je comprends rien. Je veux pas être méchant, mais le truc que le mec veut là, des pâtes au machin, truc mieux, je sais pas du tout comment on fait pour les avoir. Donc je pense que c'est mort quoi. Je vais aller voir chez la dame là qui a des vaches. Enfin, si je retrouve où c'est. Je pense que c'est plus haut. En fait, le truc qui est désagréable, en fait, c'est que je transpire. Et vu qu'il fait chaud, ça transpire encore plus. Et du coup, les écouteurs, vu que les écouteurs que j'ai, c'est à base de trucs là, de machin, de simili-cuir. Et ça prend bien la transpiration et c'est dégueulasse. Bon, ça, on sait rien y faire. Heureusement, ça sent rien du tout puisque c'est que de l'eau salée, la transpiration, mais c'est dégueulasse quand même. Putain, je trouve pas la maison en fait. Casse-couille. Je sais plus où elle est.
tous grillés. Pour tous. Ah, peut-être ici. Yes. Ah oui, d'accord. Ils sont plus ouverts. Je suis en retard. Trop tard. Génial. Trop cool. Trop cool. Bon, je sais que c'est là que je dois aller. Entre temps, si ça se peut, le mec, il en aura plus envie des pâtes, tu sais. Et quand tu viendras lui apporter, on peut imaginer qu'il ah, merci, c'est gentil, mais en fait, ça fait déjà 2, 3, 4, 5 jours et c'était bon, on a envie folle de ces pâtes. Ou je sais pas c'est quoi, en fait. Hein. Je n'en veux plus. Donc, t'es venu pour rien, en fait. Hein. Du coup, je peux te le reprendre pour moins cher, du coup, pour un prix normal. Toi, t'es comme un con, tu dis, putain, je voulais faire une bonne affaire. En fait, nous. Cool, il pleut. Vous avez remarqué que le temps passe vite dans le jeu. Regarde-moi ça, 6h50 quoi. Voilà, il est déjà 7h. Maman, j'ai peur. Il y a de l'orage. Au secours! Non! Au secours! Ouh, ne pas mourir! Je m'en bats les couilles. Ah bah dis donc, c'est bien refait l'orage. Le son et tout ça, c'est bien trouvé. Même pas. Donc je sais pas où il faut aller. Bon. Je sens que j'ai retrouvé me coucher. Ouh, apeuré.
Ouh, apeuré. Même pas au rachou, même pas. Même que les choses tout doux. Comme des ou-tchou-tchoum tout doux. Tout doux, tout doux. Fou petit ouf. Non, je souffre. Je veux rien savoir, je n'existe pas. Voilà, la technique de triche. Dans la vraie vie, ça c'est pas possible, hein, mais bon. C'est là qu'on sait que c'est un jeu parce que le mec il peut aller se coucher comme ça, instantanément, tranquillou. Pas de problème, je vais me coucher quand je veux. Nos saucisses grillées, comme on dit. Ça, et il y a d'autres trucs aussi, c'est les grosses pierres, ça, je sais pas les retirer, il faut un meilleur matériel. Donc ça m'agace aussi. Non mais il faut s'investir hein, dans ce jeu. Alors, en même temps c'est à peu près tout le jeu. J'ai aussi un autre jeu que je vais devoir y jouer un jour ou l'autre. Voilà celui-là que j'aurais une fois m'investir, il est où? Au Camille, il est où? Ouais, ça voilà. J'aurais m'y investir un peu. Je l'ai acheté à la base pour jouer. Mais je vais peut-être en faire un let's play, peut-être ça peut être sympa. Par contre, je vais pas recommencer une partie, on s'en fout ça. Ce qui compte, c'est d'avoir un peu de. Je verrai, je verrai. Découvrir des jeux aussi, c'est surtout ça aussi l'important, c'est de vous faire découvrir quelques jeux. Ça peut toujours être intéressant, je sais pas, parce que si vous connaissez pas les jeux en question que je vous fais découvrir, bah voilà, vous les découvrez hein, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Considérer ça comme un tuto ultra rapide en fait. J'ai déjà un tuto ultra rapide qui dure 1 heure et plus. Mais voilà, c'est ça. C'est le tuto le plus rapide du monde en fait. C'est un tuto qui est rapide mais qui est long. Non mais c'est pour vous montrer une fois parce que peut-être qu'il n'y aura pas d'autres épisodes. C'est vraiment de la détente. Et moi en fait je me casse pas le cul. Je me dis les gens ils sont intelligents, ils savent comment copier une séquence de vidéo. Et voilà, c'est bon quoi. Qu'on va se quitter ici d'ailleurs. Bon, ils disent qu'il y a les fêtes des flèches. Je présume que c'est l'autre côté, c'est un peu, c'est dans la sous la plage. J'ai tellement pas envie, j'en ai tellement rien à tirer. C'est le problème de fait que ce soit un jeu en fait. Hein. Ah non, même pas. Eh ben, je sais pas si c'était une fête machin ou quoi. Mais en fait, on s'en fout.
Ici, en fait, l'idée, c'est de vite avoir les trucs qui grossissent assez pour les récupérer et terminer comme ça et partir. Comme ça, vous voyez combien de temps ça prend dans le jeu quand vous plantez des bazars, des plantes. Ça vous met une estimation de temps. Vous avez le vrai temps, entre guillemets, par variabilité, puisque je traîne un peu à des moments. Mais vous avez une petite estimation du temps que ça prend en tout. Bon, moi je triche hein, parce que je suis une grosse feignasse, mais voilà, ça n'existe pas ça. Mais voilà. Dans la vraie vie, si je pourrais faire pareil, je ferais pareil. Vous savez, tous les jours, dès que je sais pas, économiser 300 ou 800 euros, je triche. J'accélère tout jusqu'à temps que j'ai mes 50 euros toutes les semaines. Et hop, d'un coup, j'ai des fleurs qui ont apparu. C'est quoi ce bordel? D'accord. Bon ben voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble. Ah, ceux-là n'ont pas encore poussé. Je sais pas combien de jours ça a pris celui-là. Oui, petit oui. Mais pour les patates, on s'en fout un peu. Hein. C'est juste que ça prendra un jour ou deux en plus. Putain, c'est trop beau, j'aime bien. On dirait des sortes de tulipes. Ah, mais c'est des tulipes. D'accord. Ah, j'avais pas bien lu en fait. Moi, je pensais que c'était autre chose. D'accord. Du coup, on peut peut-être les laisser là, ceux-là. Tu manges une tulipe, toi? Vous voyez un peu comment fonctionne le jeu du coup. J'arrive même pas où. Voilà. À chaque fois j'ai l'image de Zerator qui crie regardez, je tiens un caillou. Ouais. Mon dieu, regardez, je suis meilleur. Enfin, une connerie comme ça avec le truc qui tient en main comme un imbécile. Demeurez là. Regardez, je tiens un objet. Non, ça me fait trop rire. Ah là, les jeux, ils sont rigolos. Hein. Il y a beaucoup de trucs buggés, c'est ce que j'aime dans ces jeux. Comme les Wu qui courent comme ça sur les trucs, comme des andouilles. Voilà, moi je suis pareil. Mais pour rendre hommage à mon Wu, c'est très important de rendre. What? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Putain, ça a été juste. Pas de technique. Ah mais non. Sérieux? Non, voilà, t'es obligé de descendre jusqu'en bas pour pouvoir accéder enfin à tout. Ça, c'est mal foutu par contre. Hein. Oh mon dieu, ma souris a hanté, elle bouge tout seul. Joy-Con Griff. C'est rigolo. Oh mon dieu, elle bouge. Non, j'ai con, ça c'est moi. Elle bouge tout seul, elle est fantomatisée. Ça doit être c'est moi parce que j'arrive pas à gérer les deux en même temps, tu sais. Le mec qui essaie de faire quoi? Regardez, c'est incroyable, cette souris bouge tout seul. C'est surtout pas moi, il y a une preuve, regardez, c'est incroyable. Je sais bouger en même temps, ça se voit que c'est pas moi et que je suis pas du tout en train de galérer à avancer en même temps. C'est incroyable. Ah oui. Tiens, petit moutien. Non, je vais pas foutre un truc comme ça. Tiens, petit moutien. Tiens, petit moutien.
Tiens, petit roux, tiens, tiens, petit roux, tiens. Le mec qui est en train de faire déborder les plantes, tu sais. Oh, petit roux. Sois où de toi. T'as raison. Ou je peux te mettre dessus. Ou moi. Es-tu où de toi? Aimes-tu les saucisses grillées pour tous? Non? Pas les saucisses grillées pour tous? Les herbes, j'aimerais bien vous pousser autre part quand même, parce que là. Non, quoi, quand en fait, je m'en bats les couilles. Le mec qui se contredit. Ah, ça, c'est par contre, c'est chiant. T'as rose, mais le truc ne prend pas en compte. Ouais, perfect. Oui, je t'amènerai des saucisses grillées pour tous. Je suis fatigué. Oh là là, il est très tard. Je vais me coucher. C'est surtout pas pour accélérer le temps. Ah ben non, je ferai jamais ça. Non mais oh, pour qui vous me prenez? What? C'est quoi ça? D'accord. Mais j'avais oublié qu'il y avait cette histoire de niveau. Oh là là, j'ai surtout pas triché. Je joue correctement. Allez, donne à boire un petit roux, il doit boire. Maintenant tu arroses petit roux avec. Bon, ma crotte, je t'ai arrosé. Dans la vraie vie, j'aurais fait pareil. Peut-être. C'est que de l'eau à ma crotte, tu risques rien. C'est de la... C'est du... Non, c'est pas ce que si on est quelqu'un. C'est de la... Non, c'est de récupérer... Nique ta mère. Voilà. Oh mon dieu, regardez le curseur qui avance tout seul. Ah, il est hanté. Vous avez compris? Il est hanté. Ah, qu'est-ce que je suis drôle, abonnez-vous. Cette chaîne est trop bien. Je suis trop rigolo. Ceux qui n'ont peut-être pas compris la blague, je parlais de... De la blague du thé, quoi, de la... De... De la consonne. Donc le thé, quoi. Comme tête. Ou toiture, ou... Ou tutu, ou tata, ou tante. Le thé, quoi. Toiture, toto. Et du coup, ben, le fait de dire « Oh mon Dieu, la maison est hantée », en fait, t'imagines une maison en forme de T, en forme de consonne, en fait. Ça a pas de sens. Donc du coup, c'est trop rigolo. Moi, ça me fait trop rire. Faudrait trop que quelqu'un fasse la blague. Faudrait que je vois sur YouTube si elle existe. Non, je suis une fainéasse. Je la ferai peut-être un jour, moi-même. Sur Minecraft, peut-être. Ouais, sur Minecraft, voilà, je ferai une maison hantée. Et du coup, après, je dirais, Marie qui a fait très peur parce que la maison, elle est hantée. Alors, le mec, il va pas comprendre. Il va aller voir la maison, il va en prendre compte. La maison, oui, en effet, elle est hantée. Mais elle est pas hantée, genre, il y a des monstres dedans. Non, non, non. Elle est hantée en forme de consomme, en fait. C'est-à-dire, ah, ok, foutage de gueule. Voilà, jeu de mots. Jeu de mots pourris, mais jeu de mots quand même. Moi, j'aime bien les jeux de mots pourris et les blagues pourries. On m'appelle, Zelvag numéro 2 et Dorive numéro 2. Monsieur Dorive est le roi des blagues. Je connais surtout pour les displays Ratchet & Clank, hein, Dorive. C'est vrai. Mais j'ai suivi tous ces displays sur Ratchet & Clank 1 et 2 et 3. Et du coup, ben voilà, quoi, j'ai l'habitude de Monsieur Dorive. C'est un gars qui travaille dans JVC. Donc jeuxvideo.com. J'en étais où moi du coup en part ça? Bah c'est tout. Je dirais bien que ça se termine. Oui petit oui. Oh là là, je suis fatigué. Je veux dormir.
Non, en fait, c'est surtout que j'ai envie d'accélérer le jeu pour aller plus vite, pour terminer et quitter. Et j'ai envie de, que tout soit terminé et que tout soit résulté. Mais c'est clair que dans la vraie vie, ça n'existe pas, ça. Putain, si on pourrait faire ça, ce serait trop stylé. T'es sûr qu'on peut pas les récupérer? C'est bizarre. Non, j'arrive pas à les récupérer, les patates. Je comprends pas. J'ai remarqué un truc qui est un peu ironique, c'est que, et faussé, c'est que le personnage doit même pas se nourrir. Donc sa bourse, elle peut rester indéfiniment. Voilà quoi. J'ai 13 000 euros, bah ouais, mais ça reste. Bon, je pense que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Tu gagnes pas autant en agriculture. Hein. Ça doit être pas énormément en fait, je pense. Bon. Des fois, des mois, tu peux avoir pas mal de thunes, mais. J'en sais rien, en fait j'y connais. C'est ça le problème, j'y connais rien en entreprise et en tout cas indépendant, donc je sais pas comment ça marche du tout. Donc voilà, c'est vrai que je me pose la question aussi. Voilà, là il y a un truc qui s'est cassé. Vous voyez pas, mais moi je le vois. Hein. Ouais. Alors. Voilà. C'est réparé. Souvent ça arrive qu'il y a des boîtes, il y a des bois qui pourrissent. Comme là. Bah, il faut juste casser le bois. Merde. Quoi, il n'y a pas de bois en fait là. Voilà. Et du coup, il faut remettre, il faut reboucher, comme ça c'est tout. Pas plus compliqué que me dit que rien. Je vais foutre du bois dans sa gamelle, tu sais. Aujourd'hui, tu vas manger du bois, comme ça tu serais un chien en bois. Est-ce que ça te plaît, cette vie de vous bois? Non? Vous avez vu les deux TV cathodiques que j'ai? C'est voulu, hein. C'est ce que j'aime bien, le bordel, d'avoir plusieurs TV. J'adore les TV cathodiques, du coup je me suis dit allez, je vais en prendre deux. Ça sert à rien, mais moi ça me fait rire. Putain, mais je vais abandonner, je pense, parce que. Ça y est, ouais. Dis donc, ils sont loin à pousser là les patates. C'est quoi ça pour des patates qui sont longuettes? What the fuck? Un peu chiant quand même, hein. Ça commence à être un peu casse-couille. Bon après ça vous fait du contenu, mais moi ça prend des gigas. On va vraiment speeder hein, pour essayer de terminer ce truc. Et dès que c'est fait, on se quittera là. Ou alors je vais peut-être quitter avant. Mais vous avez compris le principe de toute façon, parce que ça a rien d'aller trop loin non plus. Dernière tentative, si ça marche pas, on se quitte là. Hein. Oh là là, je suis fatigué. Le mec il va se coucher de plus en plus. Oh, je suis en pleine forme. Ah ben voilà. Enfin, voilà, mais ils sont morts. Bon, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais voilà. Des fois, ça fait des trucs bizarres.
Pourtant, j'arrive pas à les arroser. Hein. Je suis peut-être maudit. RIP. Bon bah ça, je sais pas pourquoi ça a pas marché. Peut-être parce que c'était pas la bonne saison. Mais comme j'y connais rien en saison, voilà. Bah, comme ça vous savez à quoi, qu'est-ce que ça provoque quand on fait ça en mauvaise saison, ça fait ça quoi. Ça je savais pas que ça pouvait provoquer ça. Mais bon c'est pas grave, hein, ça vous fait un petit truc inutile. Oui, petit oui. On va terminer sur ça et après on se quittera. Non mais la flèche dégage, je fais tout automatique. Voilà, de ta faute. J'ai décidé que c'était de ta faute, voilà. Ouais, j'ai tout foiré. J'appelle les WFBI. Oui. Oh non. Oui. Bon, on va dire que c'est pas mal. Je continuerai le reste plus tard. Donc je vous dis à bientôt, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine fois, c'était Mister Wouhou. Et portez-vous bien, bande de toutruches. Ça va être un bon long épisode pour vous. Ça c'est clair. Oui, ma peluche, oui.